Access Prime. Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, comme d'hab en fait, mais c'est la toute première de l'année 2016, donc je suis trop excitée. Voilà, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2016, plein de bonheur, plein d'amour, plein de choses comme ça en fait. Pour les résolutions, bah on va dire que j'en ai pas. Enfin, je trouve ça un peu con dans le sens où en fait souvent on les tient pas, donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes cadeaux. Donc il n'y en a pas des masses, tout simplement parce que j'avais pas demandé à ce qu'on m'achète telle ou telle chose en fait. Enfin, j'avais surtout demandé de l'argent parce que justement j'avais pas trop d'idées de cadeaux. Et après, je vais vous présenter les cadeaux que vous pouvez vous-même gagner. Donc c'est un petit concours que j'ai organisé. J'ai contacté une marque, enfin plutôt un site avec qui j'avais déjà fait un partenariat. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez proposer un petit concours pour mes abonnés, ça serait cool après Noël, ça leur fait un petit Noël ou tout simplement bah des petites choses à gagner. Vous attendez pas un truc de ouf, c'est vraiment un petit concours comme j'avais déjà fait pour gagner une bougie en candle, JOL candle. Mais je trouvais ça quand même cool, c'est un moyen pour moi de vous remercier, de vous montrer que je pense à vous. Et voilà, primero, mon accent de merde, on ne dira rien. Bref, ma maman et mon beau-père m'ont offert un petit coffret comme ça, l'Occitane. Trop mignon, je pense que c'est une édition limitée pour les fêtes. Une petite crème pour les mains comme ça, donc je l'avais déjà malheureusement. C'est pas grave. Un savon, un gel douche, de l'huile. Enfin, des fleurs, je sais pas. Et un lait corporel. Ouais, ça. Ensuite, encore de ma mère et de mon beau-père, j'ai reçu un truc que je voulais en fait déjà l'année dernière et que j'avais pas eu. Donc voilà. Ma mère avait pas oublié apparemment parce qu'elle me l'a acheté cette année. Donc il s'agit d'une bouillotte. Donc là c'est un petit hibou comme ça. En fait il y a de l'eau déjà dedans, du coup c'est un petit peu mou. Bref. Oui, donc il s'agit d'un petit hibou comme ça. En gros, quand il fait froid, si vous connaissez pas trop le concept d'une bouillotte, quand il fait froid vous remplissez ça d'eau chaude et genre sous la couette et tout, c'est trop cool. Enfin voilà, j'aime trop. Pour les petits trucs de reine comme ça, de cerf, je sais pas trop comment on appelle de reine, je pense. Donc, comme je vous présente mes cadeaux de Noël, je me suis dit, bah, pourquoi pas les mettre. Ensuite, de mon grand frère, j'ai reçu un espèce de kit de maquillage, en fait, comme ça, de chez Benefit. Et genre, j'aime trop. Au moins, ça me permet de tester plusieurs petits trucs de chez Benefit. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a ça dans la boîte. Donc, en gros, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se maquiller. Et ça, franchement, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est vrai que je voulais tester ce genre de petit coffret de chez Benefit. Et bah voilà. Mon rêve, c'est accompli. J'ai un enfant avec mon truc. Ensuite, de ma grand-mère, j'ai reçu un petit coffret, un petit truc comme ça là. Dedans, il y avait un vernis. Et voilà. Et du côté de mon père, j'ai reçu des chocolats. Je peux pas vous les montrer parce que vous savez où ils sont maintenant. Ah, et j'ai reçu des gels douche de chez Yves Rocher. Donc là, ils sont dans ma douche. Tout ressortir pour vous les montrer, mais je pense que vous avez compris ce que c'était déjà le douche. Et j'ai reçu une carte cadeau de chez Zara, ça j'ai choisi avec ma mère. Il s'agit d'un bomber comme ça, je sais pas si vous voyez, rose pâle, parce que je sais pas si vous avez capté que j'aime beaucoup le rose pâle. Voilà, là aussi. Et du coup quand je l'ai vu, j'ai fait non, c'est mort, je l'avais. Du coup bah, ma mère elle me l'a pris pour Noël. Et voilà, franchement je l'aime trop et franchement elle est trop bien, enfin on se sent trop bien dedans, donc trop top. Je vous mettrai les références des produits en barre d'infos. C'est encore moi. Alors, à propos du concours, il est ouvert à l'international, je tiens à le préciser. Le site m'a proposé plusieurs articles, produits, je sais pas trop comment on appelle ça. Et en fait après je peux faire gagner donc 3 personnes, donc chaque personne aura deux articles et je vais vous les présenter juste après. Mais avant tout, pour participer à ce concours, donc il faut être abonné à ma chaîne. De toute façon je vous mettrai toutes les conditions pour participer en barre d'infos si jamais vous avez oublié des petits trucs. Il faut liker la vidéo, donc celle-ci, voilà, et envoyer un mail à l'adresse que je vous mettrai juste en bas de la vidéo à l'instant même, en fait vous allez voir, c'est magique. Et dans ce mail, il faut que vous m'indiquiez le lot que vous voulez gagner, votre adresse postale complète, nom, prénom, adresse de la maison, tout et tout. Et il faut aussi que vous m'indiquiez le pseudo de votre chaîne YouTube, si vous en avez une. Tout simplement parce que là, c'est un concours vraiment que je fais
sur YouTube, après j'en ferai peut-être sur Instagram, je pense d'ailleurs. En fin de compte, j'ai pas trop su comment former les lots, donc je vous laisse à vous de les former. Donc il s'agit en gros de choisir deux petites idées des choses que je vais vous présenter là. Je vous laisse aussi la petite idée de tout simplement me dire qu'est-ce que vous aimez sur ma chaîne, etc. Des petits trucs en plus quoi, qui fera que je vous sélectionnerai plutôt vous que quelqu'un d'autre. Enfin, en gros, ça me permettra de vous départager. Donc le premier petit truc à gagner, c'est un kit de pinceaux. Pour le teint, pour les yeux, un petit peu de tout. Et franchement, je le trouve vraiment cool. Donc il est dans une petite pochette. Et franchement, je pense qu'ils sont pas mal. Ils ont l'air pas mal, leurs pinceaux, niveau qualité. Et voilà. Ensuite, le petit truc à gagner que je trouvais aussi pas mal, en fait, c'est un petit truc pour laver le visage, en fait. Donc c'est un petit appareil électrique, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Clarsonic, non, c'est quoi ? C'est un truc comme ça. Des trucs qui coûtent vraiment vraiment cher, donc c'est pour ça que je vous en fais gagner, hein. C'est pas un Clarsonic je sais pas quoi là, mais c'en est un quand même et je pense qu'il est aussi pas mal, donc voilà. Ensuite je vais vous présenter deux colliers à gagner. Donc le premier collier, c'est un style un petit peu aztèque que j'adore, enfin c'est vraiment des colliers que j'aime trop en fait, donc il s'agit de ce genre de collier. Pour le second collier, donc il s'agit d'un collier vraiment plus enfin, genre qui pète beaucoup plus quoi. Il faut vraiment oser, mais c'est vraiment un collier aussi trop 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 joli. Donc il y a des faux diamants dessus. Enfin vous le voyez de toute façon par vous-même. Il est vraiment joli, un petit peu plus grand, mais un peu dans le style encore une fois aztèque. Et j'aime beaucoup. Ensuite, je vais faire gagner la pochette que je vais vous mettre ici deux fois. Par contre, il y a plusieurs coloris dans cette pour cette pochette, pardon. Je vais vous les mettre là si possible. Il y en a des marrons, il y en a des... noir, il y en a vraiment, ma préférée c'est la noire et beige, elle est trop jolie, mais alors vraiment. Je pense que c'est une petite pochette pour aller en soirée ou même pour mettre comme ça, enfin elle est super mignonne, j'adore cette pochette en fait. Et voilà. Donc le concours, je pense qu'il va durer une à deux semaines, de toute façon je vais mettre tout ça en barre d'infos pour que vous soyez au courant. Donc c'est tout pour ce qui est de mes cadeaux de Noël et du petit concours que je vous ai organisé comme ça. Je vous mets bien sûr tout en barre d'infos, donc je vous laisse aller checker la barre d'infos pour ce qui est des conditions, des liens, des produits que je vous ai donnés pour le concours. Donc des produits à gagner si vous voulez les regarder un petit peu plus en détail. Je pense que c'est tout. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2016. J'espère vraiment que ça va bien se passer cette année. Que ce soit niveau... niveau moi, niveau vous, niveau même pays, enfin un petit peu tout ça. J'espère vraiment qu'il y aura le moins possible de conflits, enfin vous savez très bien de quoi je veux parler, mais bref, j'espère que ça roulera vraiment au top. Bref, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine, logiquement, pour une nouvelle vidéo. Ciao. That's it, Brian. Oh, yes.